Rome, conquête, péromène et romanisation. À la fin de la République, Rome est à la tête d'un territoire immense qui s'étend tout autour de la Méditerranée. Auguste, premier empereur de Rome, et ses successeurs poursuivent les conquêtes entamées par leurs prédécesseurs. Au IIe siècle après Jésus-Christ, avec l'empereur Trajan, l'Empire connaît alors son extension maximale. C'est avant tout grâce à son armée puissante et organisée que Rome arrive à conquérir de nombreux territoires. Ainsi tombent l'Ibérie, la Bretagne, la Palestine, l'Asie mineure ou encore l'Égypte. Les légionnaires romains, qui composent les rangs de l'armée romaine qui marche sur ces régions, sont des soldats professionnels soumis à une discipline sévère. Ils font la guerre et assurent la sécurité du territoire de l'Empire et de ses frontières pour faire face aux tentatives d'invasion de peuples barbares. Dans cet empire gigantesque et sécurisé par une armée puissante, la paix et la prospérité s'installent alors. L'empereur concentre l'essentiel des pouvoirs et nomme des magistrats qui font respecter la paix romaine dans tout l'empire. C'est dans cette période apaisée du 1er et du 2e siècle que le commerce se développe entre les provinces de l'empire et avec les peuples extérieurs. Des ponts, des routes et des viaducs sont construits, permettant la circulation des marchandises et l'enrichissement de l'Empire. Les Romains étendent leur influence parfois très loin, hors de leur empire, comme par exemple avec l'Orient et la Chine, lorsqu'ils suivent la route de la soie. Dans les villes de l'Empire, les habitants adoptent le mode de vie des Romains, leur religion et leur langue. La capitale de l'Empire, on parle de l'Ourse, est alors un modèle pour toutes les villes de l'Empire. On construit des aqueducs pour acheminer l'eau, des théâtres et des cirques pour se divertir et assister à des combats de gladiateurs, des thermes pour se laver et rencontrer d'autres habitants de l'Empire, des temples dédiés aux dieux romains et au culte de l'empereur. Pour qualifier cette extension du modèle romain dans tout l'Empire, on parle de romanisation. Pour autant, il ne faut pas imaginer que tous les habitants de cet empire unifié se ressemblent. Chaque région conserve ses propres dieux et coutumes, en plus de celles apportées par les Romains. Et les habitants n'ont pas tous le même statut et les mêmes droits. Les plus puissants d'entre eux sont les citoyens romains. S'ils sont au départ peu nombreux, l'empereur Caracalla accorde la citoyenneté romaine à tous les hommes libres de l'Empire en 212 après Jésus-Christ. L'Empire s'étend, intègre alors de nouveaux habitants et se transforme même dans une de ses composantes les plus importantes et les plus anciennes, la religion. Ainsi, au 1er siècle, apparaît une nouvelle religion dans une province de l'Empire, c'est le christianisme. D'abord persécutés et martyrisés, les chrétiens monothéistes sont progressivement acceptés et l'empereur Constantin met fin aux persécutions et autorise le christianisme en 313 avec l'édit de Milan. À la fin du 4e siècle, le christianisme devient même la religion officielle de l'Empire romain et le polythéisme est interdit. Pourtant, l'empire se fragilise en raison de tensions internes et de pressions extérieures. Et il est même séparé en deux au IVe siècle, entre un empire romain d'Occident et un empire romain d'Orient. En 476, sous la pression des invasions, l'empire romain d'Occident disparaît. C'est la fin de la civilisation romaine telle qu'elle s'est construite et a évolué depuis la création mythique de la cité par Romulus au 8e siècle avant Jésus-Christ.